la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Aimez le surveille, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. On ne peut pas dire que ça a été trop difficile. Ça, c'est vrai. Pour un enfant à loup, je m'attendais à plus de résistance. Enfin, tant mieux. Bon, eh bien, maintenant qu'on le tient, qu'est-ce que tu comptes faire de lui? Ce qui était prévu. Demain, au lever du jour, on va le transporter discrètement chez le patron. Après, c'est lui qui décidera. Normalement, il doit le vendre à un cirque. Alors là, excuse-moi, je ne comprends pas. Pourquoi un cirque pourrait vouloir l'acheter? Mais tu es stupide. N'oublie pas qu'il connaît le langage des animaux. Il a été élevé par des loups dans la jungle. Il est comme un poisson dans l'eau. Ils pourront lui faire combattre des fauves. Ah, moi, je trouve que ce garçon vaut son pesant d'or. Et je ne suis pas le seul à le penser. Le patron aussi, la preuve, c'est qu'il me donnera 10 pièces d'or. Oh, mais tu sais que c'est vraiment épouvantable ce que tu viens de dire. On va encore nous accuser de ne penser qu'à l'argent. Au fait, tu ne nous as pas encore dit à combien se montrait notre père. Vous aurez chacun 2 pièces d'or et je suis généreux. Mais pourquoi pas 3, ça serait plus juste. Pas question, sans moi vous n'aurez rien eu du tout. Toujours aussi abrouille, hein. C'est très joli tout ça, mais et comment va-t-on le transporter? On va l'enfermer dans une cage et lui enchaîner solidement les pieds et les mains. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il réussisse à s'échapper. En tout cas, pour l'instant, il dort. C'est son ronflement qu'on entend. Hey, qui dort-il? Dis-moi, comment trouves-tu ta nouvelle maison? Oh, je vous déteste! Et d'abord, vous n'avez pas le droit de faire ça! Relâchez-moi vite, ou alors je vais me fâcher! Voyons, ne crie pas si fort. De toute façon, ça ne sert à rien de crier. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus fort que nous. On n'est pas des gens à laisser passer une chance de nous remplir les poches. Eh oui, tu sais, c'est le destin et on n'y peut rien. Allez, en route! Allez, hula, hula, mais attends! Où est-ce que vous allez me conduire? Chez un ami qui paiera très cher pour t'avoir. Il faut dire qu'il a des projets pour toi. Mais quel projet? Mais bien pour commencer, il va te vendre à un cirque qui se trouve à Allahabad. Allahabad? Un cirque? Eh oui, c'est vrai. Et bien que tu sois un homme, tu ignores tout de la manière dont on vit. Bon, je vais t'expliquer. Allahabad est une ville comme Kaniwara, mais en 10 fois plus grande. Ce qui fait qu'on y trouve absolument tout. À commencer par un vrai cirque. Tu te demandes ce que c'est, hein? Eh bien, imagine une grande tente où les gens font toutes sortes de tours. Souvent avec des animaux d'ailleurs.
Il y a des tigres qui traversent des cercles de flammes, des ours qui dansent sur des ballons, des funambules sur leurs fils d'acier, des gens qui se balancent dans les airs et qui se jettent dans le vide, des clowns et plein d'autres choses encore. C'est très amusant. Non, je ne veux pas. D'abord, qu'est-ce que j'y ferai? Oh, ça les regarde, ce qu'ils vont faire de toi. Moi, du moment que je suis payé, je ne me pose pas de questions. Dites, faudra aller un peu plus vite que ça, hein. Si jamais on arrive en retard au rendez-vous, on risque de rater l'affaire, les gars. Ça serait dommage. Allez, U, cocotte. Cette histoire me tracasse de plus en plus. Que fait Mowgli? Dis, Balou, tu crois qu'il lui est arrivé un malheur? Pourquoi? Tu sais quelque chose? Non, je pensais simplement qu'il avait peut-être rencontré des hommes plus méchants que d'habitude. Eh, il a raison, qui sait ce qui a pu lui arriver? On ferait peut-être bien d'aller voir. Ah non, non, tu ne vas pas recommencer à t'imaginer le pire, hein? Compris? Mowgli a dû tout simplement trouver des amis humains, point, c'est tout. Ils devaient être contents de le revoir, vous pouvez me croire. Et ils ont dû l'inviter à passer quelques jours avec eux, voilà. Mais pourquoi tu cherches toujours le mal où il n'est pas? Ah, c'est vrai, ça. C'est peut-être ce qui s'est passé. Enfin... Non, il n'y a pas de mec qui tienne. Tu sais bien que j'ai raison. Excusez-moi, mais tout ça, c'est des suppositions. Rien ne prouve que c'est la vérité. C'est évident, à condition de ne pas être têtu comme toi. Mais écoute-toi, à t'entendre, par moments, on croirait vraiment que je suis stupide. Figurez-vous que j'ai envoyé Shin, le vautour, en reconnaissance. Ouais. Je suis aussi inquiet que vous. Croyez-le bien. C'est nous, Sahib. Eh bien, tu en as mis du temps. Je croyais que tu ne viendrais plus. Voyons, vous ne me connaissez pas trop. Vous savez bien que je n'ai qu'une parole. Surtout pour de l'argent. Alors, le voilà, ce soi-disant enfant loup. En effet, oui. Tu plaisantes. Tu m'as dit qu'il avait été élevé par des loups. Alors, moi, je croyais qu'il avait l'air d'un loup. Qu'est-ce que je vois? Un garçon tout à fait ordinaire. Eh oui, bien sûr, si vous le prenez comme ça, c'est vrai, il est comme tout le monde. Mais je vous jure qu'il est plus sauvage que n'importe qui. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à rentrer dans sa cage. Et là, vous verrez bien. Bon, allez, ça suffit, ça va, je te crois. Le seul problème, c'est de trouver ce qu'on pourra faire de lui. Enfin, je veux dire, de ça. Mais ça, j'en parlerai avec qui de droit. Alors, en attendant, voilà la récompense. Promise. Merci, Saïd, merci beaucoup. Allez-vous nous transporter la cage sur la charrette, vite. Compris. Oui. Mowgli, tu ne m'en veux pas trop, hein? Après tout, dans la vie, il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur, hein? Prends exemple sur moi. Tu te souviens de ce que vous m'avez fait chébir, hein? Eh bien, moi, je m'en suis remis, la preuve. Oh, j'ai pu m'en vrai, ce petit-là. Surtout quand tu seras à Allahabad. Travaille bien et fais tout ce qu'on te dit. Hein? Ce serait dommage que les spectateurs n'en aient pas pour leur argent. Oh. Allez, au revoir, Mowgli. Et amuse-toi bien, petit gars. Allez, en route, vous tous. Vous allez vous taire, oui? Vous ne voyez pas que c'est notre nouvel ami? Il va falloir veiller sur lui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? C'est tout de même pas parce que j'ai rejoint le clan des hommes, quand même. Je voulais simplement revoir mes choix.
Tout ça pour me retrouver maintenant dans ce qu'ils appellent un cirque. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est vrai? Je ne me laisserai plus mettre en cage, vous entendez? Bien sûr, Mowgli. Tu ne dois pas accepter ça, mon chéri. Oh? Mowgli, personne au monde ne te connaît mieux que moi. Et je sais que tu as du courage à revendre. Il t'en a fallu pour combattre les chiens rouges. Sans parler de Shere Khan, le tigre féroce. Et maintenant, tu courbes le dos à cause d'un homme? Je sais bien que ce n'est pas vrai, Mowgli. Mais un peu de patience. Ton heure viendra. Tu pourras courir à nouveau dans la prairie. Tu seras libre, Mowgli. Elle a raison. J'ai qu'à attendre. Et on verra bien qui est le plus fort. Ouais, c'est agréable de vivre dans une cage. Hein? Oh là, je vois. Monsieur fait le fier tout seul assis dans son coin. Il refuse de me parler, peut-être, c'est ça. Hein? Si c'est pas mignon, hein? Quel courage, bébé, quel courage. Oula, dis-moi, c'est parce que t'as faim que tu ne bouges pas. Ah bon? C'est très ennuyeux, c'est parce que moi, j'ai rien pour nourrir les loups. Mais t'en fais pas, hein, quand tu seras arrivé. Oh, cirque, tu pourras manger avec les fauves. Hein? Oh là. Je ferais mieux de ranger ça à sa place, n'est-ce pas? Qui sait, hein? Ça pourrait te donner des idées, hein, petit loup. Le petit loup. Le petit loup. Et saute des chaperons. Ah oui, après tout, je crois que je vais faire un petit somme. Vive la Bretagne. Thank you.
N'aie pas peur, je vais t'aider. Tu m'entends? Tant pis, j'ai pas le choix. C'est quoi ce vacarme? Nien? Incroyable! En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas t'en tirer comme ça. Non, c'est pas vrai, mais où est-ce qu'il a pu passer? Bon, me revoilà à Kaniwara. Il ne me reste plus qu'à retrouver mes amis. Ils sont sûrement pas loin d'ici. Et où? C'est ça le problème, justement.
souviens de moi? Tu es mon ami et j'ai pas réussi à te retrouver. Si tu savais comme je suis triste, ne t'en fais pas. Un jour, toi et moi, on se reverra. Ça, je te le promets. D'ailleurs, toi aussi, tu me l'as dit. Mowgli, tu crois qu'on se reverra? Oh, ça serait bien. Attends-moi! Jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et Mélo surveille, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.